Bonjour. Bonjour à tous qui nous rejoignez. On attend que tout le monde se connecte. Pour l'instant, on leur laisse admirer Exactement. la belle présentation que tu leur as préparée. Tout ton matériel, on J'ai écrit. tout normalement. Pour la petite surprise. C'est ça. Bonjour. Ça arrive, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Bonjour à tous, eh bien, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans un lieu un petit peu différent, un très beau décor, puisqu'on est ici chez Calice Maison des Fleurs, donc artisan fleuriste à Eyrieux, à quelques kilomètres seulement de Nauxerre. Vous le savez, à cette période de l'année, il y a beaucoup de fleurs et de plantes qui sont rentrées en repos végétatif, qui ont pu perdre leurs feuilles ou leurs fleurs. Mais pas d'inquiétude, parce qu'aujourd'hui, on a plein de belles choses à vous présenter pour embellir vos espaces en décembre. Et d'ailleurs, on a Julie qui est là pour nous y aider. Bonjour Julie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, déjà, merci de nous accueillir Eh dans bah, ta belle avec boutique. plaisir. Vraiment, c'est magnifique. Tu nous as vraiment très bien reçus. On a mis en valeur tous nos produits, donc hyper content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ces produits de Noël. Eh bien, je te propose que pour commencer, on fasse un petit tour de notre boutique de Ouais, Noël. c'est parti. Alors, on a lancé il y a peu de temps une boutique de Noël qui est remplie de plein de belles idées, aussi bien de plantes, une sélection de plantes, de décorations, et puis d'idées cadeaux à glisser sous le sapin. Et j'ai notamment trois produits aujourd'hui dont je voudrais particulièrement qu'on parle Ouais. ensemble. Alors, on a un petit cyclamen rouge, on a notre poinsettia qui est aussi appelée étoile de Noël si je ne Exactement. m'abuse, et puis on a notre belle amaryllis cirée. Donc moi, je voudrais savoir déjà ce que tu penses déjà à première vue de cette petite sélection. Et Ce bah que tu ça peux m'en dire. fait du bien un peu de magie pour mettre tout le monde dans l'ambiance de Des Noël, fêtes. que ça va faire du bien toutes ces fêtes. L'avantage de toutes ces plantes, c'est donc en premier lieu pour l'amaryllis par exemple, c'est une plante en bulbe qui va, vous allez voir la progression en fonction de la température qu'il y a dans votre intérieur. Plus il va faire bon chaud, plus elle va pousser. Donc pour l'amaryllis en cire. Elle reste telle quelle, il n'y a pas besoin d'eau, pas besoin de terre ni quoi que ce soit. Elle fait sa petite vie tranquillement. Et petit à petit, vous allez la voir fleurir. Et une fois les floraisons terminées, parce que vous avez facile deux floraisons par bulbe, une fois la floraison terminée, il faudra simplement couper à ras le bulbe pour ensuite lui faire un an de repos à peu près. Et après, chaque année, elle va refleurir. Donc vous pouvez aussi bien l'isoler dans une cave et la ressortir à la même période l'année suivante, ou alors la planter dans un pot en terre cuite de préférence, et que par la suite, vous allez la voir fleurir en été. Et pareil, qui va faire plusieurs floraisons pendant votre été. Donc c'est ça qui est assez sympa pour la Marélis. Donc pour l'instant, en tout cas, voilà, elle est dans sa petite cire, très belle et prête à décorer nos espaces. Ce Exactement. que tu me dis, c'est que du coup, ils vont pouvoir après enlever cette cire une fois que Cette les fleurs sont passées ou que la exactement. fleur. C'est l'amaryllis, c'est comme les jacinthes, c'est tout, c'est des plantes à bulbe, et donc c'est un oignon comme l'oignon comestible. Il y a plusieurs couches, plusieurs épaisseurs. On les pèle. Voilà, exactement. Ok. C'est la même chose que si on préparait une soupe ou quoi que ce soit. On va le peler pour pouvoir après lui qu'il puisse reprendre son petit rythme et chaque année refleurir. Et vous pouvez le garder mais des années sans spécialement vous en occuper. C'est même les personnes qui disent j'ai pas la main verte, ça en général. Ça C'est prend dur, du temps. Ça, ouais, c'est mon voilà. cas. C'est bon, ça, je te demande. Mais très bien. Donc, du coup, voilà, plusieurs utilisations. OK. Exactement. Je sais pas, après, tu veux peut-être nous Bah parler de. après, tout ce qui est, par exemple, le cyclamen, Vous donc avez qui. ici. C'est une belle plante, donc sa floraison, ça commence dès le début de l'automne, au niveau plus ou moins de la Toussaint. Ça reste une plante qu'on peut mettre en extérieur, mais qui va avoir tendance quand même à geler. Donc dès qu'on arrive, comme là en ce moment, on a des petites gelées les nuits, il va pas résister. Mais si par exemple vous avez
une entrée, enfin, qui est abritée, au niveau, que ce soit une avancée de toit ou une terrasse, vous pouvez très bien le mettre en extérieur pour déjà d'entrer au niveau de l'extérieur, décorer votre extérieur. Parce que c'est vrai que tendance, on a tendance à décorer tout le temps notre intérieur. Mm-hmm. Mais je vous prends l'exemple type de ma maman qui, elle, chauffe au poêle et donc il fait très très chaud. Et donc le sapin, c'est vrai qu'il sèche un peu vite, tout ça. Et ben, on fait depuis plusieurs années, on fait le sapin en extérieur, mm-hmm, sur la terrasse, en fait. Et parce que c'est devant la porte d'entrée. Et du coup, bah, tout de suite, quand on arrive, moi, je lui ai déjà fait aussi des décors, tout ça. Hein. Ouais. Mais voilà, au moins, dès l'extérieur, on a cette petite touche chaleureuse. Et en plus, là, le rouge du cyclamen, c'est vraiment une fleur qui est sympa parce qu'en plus, comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs boutons. Donc, en fait, il y a vraiment un circuit qui se fait. C'est rare que vous la voyez toute verte. C'est, en général, ça fleurit. Il y en a une qui fane, il y en a une autre qui revient. Donc, c'est ça qui est sympa aussi. Mais par contre, même si on n'a pas d'extérieur, on peut très bien le mettre à l'intérieur aussi. Il résiste aussi, tout aussi bien. Ok, donc super, donc parfait pour décorer nos espaces en extérieur qu'en intérieur pendant les fêtes. Et après, donc on va voir le point Cécia, donc l'étoile de Noël. Vous en avez aussi devant. Exactement, la plante emblématique de Noël. Et ben le point Cécia, en fait, c'est une plante qui, pour devenir rouge, il lui faut pas de lumière. Il faut que dans les productions, dans les serres, c'est tout noir pour justement pour qu'elle prenne cette couleur. Donc il y a des clients par chance qui arrivent à les garder, comme pas plus tard que ce matin, j'ai une cliente qui me disait qu'elle l'avait gardée jusqu'au mois d'août en étant rouge. D'autres vont les garder aussi, mais qui vont rester vertes parce qu'il va leur manquer cette petite atmosphère, on va dire, dans la pièce. Exactement. Mais du coup, c'est vraiment la plante qui fait plaisir à tout le monde, où c'est même une petite tradition, un rituel. Chaque année, il y en a qui s'offrent à eux-mêmes une amaryllis, un poinsettia, pour dire, ah yes, c'est le début des fêtes. Et le petit, ça je t'en avais pas parlé, la petite surprise, que ce soit le cyclamen et le poinsettia, vous pouvez lui ajouter un petit côté festif avec des paillettes. Et en fait, tout ça, des fois on voit sur certaines plantes qu'on a de la paillette, on pense que c'est du chimique ou quoi que ce soit, et en fait pas du tout. Simplement, vous allez mélanger de l'eau tiède avec de la paillette, avec du sucre, pardon, je vais y arriver, de l'eau avec du sucre, et vous vaporisez légèrement le poinsettia, et après vous venez saupoudrer de paillettes, et tout de suite vous avez un côté aussi plus festif. Ah oui, et donc on peut le faire aussi parce que du coup, vu que c'est simplement de l'eau, on peut le faire sur de l'eau tiède avec du sucre, tu voilà, c'est ça, et on vaporise, exactement, et puis petit au fur et à mesure de l'évolution de la plante, ça va s'estomper en fait tout seul, sans produits chimiques, sans colle ou quoi que ce soit, tout naturel. C'est juste le sucre qui permet de faire tenir. Exactement, et au moins ça rajoute aussi le petit côté festif pour le moment. Eh ben super, je vois aussi que du coup tu nous as préparé alors nous on vend nos amaryllis de cette façon, donc qui sont déjà très belles, ouais, avec plusieurs cires, donc on en a plusieurs coloris différents. D'ailleurs, on a cette version un petit peu pailletée blanche, on a une version pailletée rouge, on a du cuivré, du doré, et puis on a cette version aussi enneigée rouge. Et je vois que toi tu les as encore retravaillées, tu les as mis encore dans d'autres petits bocaux. Et ben, tu peux nous dire, c'est vrai que c'est très sympa, et en plus c'est bien pensé parce que il y a un petit support dessous pour pas mettre le bulbe à même un meuble. Mm-hmm. Donc après on peut mettre dans une assiette, dans plein d'autres choses, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Et puis en général, des fois il y a des personnes qui ont ce petit truc créatif mais qui osent pas trop se lancer ou qui veulent pas trop investir ou quoi que ce soit, mais en fin de compte au niveau de la nature on peut faire beaucoup de choses avec pas grand chose, c'est ça qui est bien. Donc suffit de prendre un saladier à la maison, un joli plat ou quoi que ce soit, on va glaner un petit peu du sapin, que ce soit dans les bois ou même dans le jardin. Mmh. Des fois on peut avoir des petits branchages super sympas. Là nous pour le coup on a mis de la neige artificielle, donc ça peut se trouver dans tout commerce, mais comme on peut mettre des fruits, comme on peut mettre des papiers, enfin on peut vraiment libre à son imagination, et comme ça au moins ça permet de faire un petit support qui relève l'amaryllis et qui vous la met en valeur et qui peut vous faire un petit centre de table très sympa sur la table du salon, de l'apéro ou quoi que ce soit. Ça a ce petit côté chaleureux, et on peut même aller plus loin de rajouter comme ça se fait bien, les petites guirlandes lumineuses à LED que vous pouvez l'entortiller à l'intérieur.
l'intérieur et comme ça le soir quand ça vous êtes en mode repos et ben ça vous fait ce petit coin chaleureux. C'est ça. Et ben super, merci. Une petite astuce peut-être pour conserver plus longtemps notre poinsettia, notre cyclamen. Alors le poinsettia, surtout ce qu'il faut faire attention, c'est éviter tout ce qui est courant d'air. Ça n'aime vraiment pas le froid. C'est sa période de floraison, mais autant lui ce qu'il aime c'est vraiment la chaleur. Okay. Donc on le laisse bien à l'intérieur, on évite de le mettre proche des portes d'entrée ou des fenêtres qui sont susceptibles d'être souvent ouvertes. Okay. Pour l'arrosage, ça va être, s'il fait très très chaud, ça peut être deux fois par semaine, sinon en moyenne c'est toutes les semaines. Là, sur ce gabarit là, c'est la quantité d'un verre d'eau à peu près. Faut pas l'inonder non plus, mais faut pas qu'il soit complètement desséché, parce que plus il va dessécher, plus les feuilles en fait vont tomber et ça va être plus dur à récupérer pour le relever. Le cyclamen, s'il est en extérieur, ça peut être facile tous les 10-15 jours parce qu'il va prendre les intempéries qu'il y a en extérieur, donc ça va pas demander beaucoup d'eau. S'il est en intérieur, c'est pareil, ça va être facile toutes les semaines. Okay. Mais l'avantage du cyclamen, c'est que dès qu'il va avoir soif, il aura tendance à baisser la tête. En fait, vous allez sentir les feuilles. Là, on l'entend et on le sent que les feuilles sont fermes. Oui. Et le cyclamen, dès qu'il a soif, il devient flagada. Donc pareil, ça on surveille. Et donc par contre, pour l'arroser, idéalement, c'est de lui mettre les pieds dans l'eau, comme on dit. C'est-à-dire, faut jamais l'arroser comme par dessus. Comme pour les orchidées. Hein. Exactement, parce que si on l'arrose par dessus, automatiquement, il va avoir cette tendance un peu d'eau qui va stagner et que ça va entamer un processus de pourri, on va dire. Donc, si on lui fait qu'il boit par les pieds, au moins, il prend ce qu'il a besoin. Et dès qu'on voit qu'il a assez repris, on enlève toujours l'excédent d'eau. On laisse jamais d'eau au fond des pots des plantes. Bah, super. Voilà. Merci. Alors sur notre boutique de Noël, on a donc toutes ces belles plantes et puis je le disais tout à l'heure, on a aussi des accessoires de décoration, dont ce petit sapin décoratif en métal qui est hyper facile à monter. Hein. Je remontre simplement, donc on a juste le socle qui vient, donc la partie en sapin qui vient se fixer sur le socle, donc vraiment juste à emboîter, hyper simple. Et donc c'est un sapin qui est très très personnalisable et je dis ça parce qu'aujourd'hui je t'ai lancé un petit défi, c'est ça, celui de le décorer. Exactement, on peut faire vraiment comme ça rejoint ce qu'on disait pour faire ça, de pas grand chose, on peut faire quelque chose de très sympa. Donc sur le coup, on peut dire on peut le laisser comme ça, on peut lui mettre simplement une guirlande lumineuse pour dire de l'habiller. Mais nous personnellement, en tant qu'artisans fleuristes, qu'on aime créer des choses, qu'on aime inventer, faire marcher nos méninges et nos petites mains, on va vous montrer aujourd'hui comment le décorer comme un vrai sapin. Et donc idéal pour les petits espaces ou pour les personnes qui veulent avoir plein de petits sapins à la maison. C'est ça. Donc si on n'a pas la chance d'avoir un grand espace, qu'on veut un petit sapin un peu plus, voilà, on peut. Mais on a déjà notre sapin. Tout en étant avec du naturel, sans dire de faire de l'artificiel ou quoi que ce soit, avec ça, ça vous permet... Tiens. Je veux bien. Le début. Donc tu commences par... Alors tout simplement, ouais, on se munit d'une bobine de fil de fer fil de fer ou cordelette, enfin... Tout dépend avec quoi on arrive à manipuler. Et après, tout simplement, on va glaner du sapin dans le jardin. Là, c'est l'épicéa, donc qui se trouve de partout et qui en plus a ce petit parfum de sapin, contrairement à d'autres variétés. Et on va venir se couper des petits bouts, toujours travailler les pointes du sapin, parce que si on vient travailler où on a coupé, forcément c'est pas joli. Et donc on va venir tout simplement faire comme des petits bouquets. Ok. Hop. De sapin. Et au fur et à mesure, on les fait tenir. On les fait tenir avec le fil de fer. Hop. Tac. Et donc, tu vas tourner tout autour. On va tourner petit à petit. On va descendre. Donc, c'est un petit peu long, entre guillemets. Mais j'ai envie de dire, ça doit pas être bien plus long que de décorer son sapin avec les guirlandes ou quoi que ce soit. Je travaille à l'envers. Donc. Et alors, du coup, là, on va le couvrir entièrement de sapin. Est-ce qu'après, on peut rajouter des petites choses ? On peut faire plein de choses. Du moment qu'on travaille comme ça, à ajouter à chaque fois au fil de fer, si on veut venir se rajouter, je dis une bêtise, une fleur de cyclamen, par exemple, donc certes, ça fanera plus vite que le sapin, hein, mais sur le moment, pour avoir une petite touche naturelle, on peut se rajouter quelques petites fleurs rouges à l'intérieur, comme on peut se rajouter l'hélébore, la rose de Noël, comme on peut se rajouter des graminées, de la fleur séchée, on peut vraiment... On peut faire tout un tas de choses. On peut jouer avec. Nous, on le fait, donc là, pour le coup, on l'avait jamais fait en forme de sapin. De sapin. Mais on le fait beaucoup avec les couronnes de Noël qu'on met aussi bien sur la porte,
ou en centre de table avec les bougies dessus pour faire les 4 bougies du dimanche de l'Avent. Voilà, on peut vraiment s'amuser sur plein de plein de choses. Ok. J'en profite parce que je sais que pendant que tu fais ça, je sais que tu as prévu quelques ateliers aussi de ton côté. Donc pour les personnes qui ont la chance d'habiter proche d'Eyrieux, en tout cas, tu on vas a fait voilà, on a fait une petite nouveauté qu'on a débuté là le week-end qui vient de passer. C'est les ateliers floraux qui se passent en boutique. Donc c'est sur réservation et il y a des places limitées parce que on n'a pas non plus un grand espace. Et puis le but c'est quand même de passer un moment convivial. Donc c'est pas d'être une dizaine. Je m'excuse. C'est la saison. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, s'il y en a qui sentent l'âme créative. Voilà, on fait, donc ça va être étalé sur toute l'année au niveau des thématiques, principalement ça va être des samedis. Après, on va voir pour faire peut-être des mercredis, tout ça. Mais comme là, en ce moment, voilà, c'est la thématique de Noël. Donc le week-end dernier, on a fait la couronne de l'Avent. Et donc là, je peux le dire en avant-première, parce que on ne l'a pas encore diffusé nous de notre côté sur nos réseaux, et on a énormément de demandes. Samedi 16 décembre, on refait un atelier, et là, ça sera la bûche de Noël. Donc c'est pour le centre de table, pour mettre au moment des fêtes, pour décorer la table. On va vous montrer comment le faire, et après, ça sera à vous de le créer. Nous, nos ateliers, du coup, on fournit tout, et c'est vraiment vous qui vous éclatez à faire. Ce qui. Donc voilà. Donc pour ceux qui habitent, en tout cas, à proximité d'Eyrieux, qui ont la chance d'habiter, vous c'est pouvez ça. Faire ça. Et ben, en attendant, moi, je vous montre, hein, parce que quand même, le but était de prouver aussi qu'il était entièrement personnalisable. C'est ça. Donc toi, tu en fais un très très beau sapin, mais ce qu'on peut faire aussi, vous le trouverez aussi sur notre site internet, quelques photos ou sur nos réseaux sociaux, on a pu aussi l'habiller pour faire un petit calendrier de l'Avent, donc vraiment ultra personnalisable, avec des petits sachets, des petites choses, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez, c'est vraiment hyper sympa. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que bah là, on est en train de parler de comment vous pouvez gâter un peu tout le monde. Mais ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'est notre beau sac. Donc là, à l'occasion aussi des fêtes de fin d'année, on a décidé de vous gâter. Donc pour toute commande passée sur notre site de plus de 60 euros, donc je vous remettrai aussi toutes les conditions en commentaire, vous avez le droit à ce très très beau sac, donc fabriqué en France, tissé, fabriqué en France, 100% recyclé et 100% recyclable. Donc vraiment un très beau cadeau de fin d'année avec nos roses emblématiques. Donc voilà, ça c'est notre petit cadeau des fêtes pendant que je te vois un peu montrer ce sapin. Bon, on n'aura peut-être pas le temps, effectivement. Non, effectivement, de le faire en entier, entier. Est-ce que tu veux peut-être aussi leur partager peut-être le résultat? Parce que je sais que tu nous en as préparé un. Et oui, on a un petit peu triché. Là, on vous a montré voilà, le début, comment on peut faire. Et donc, on peut faire aussi bien avec du sapin, comme on peut faire avec de la mousse des bois, mm-hmm. comme on peut faire... on peut vraiment faire avec plein de choses. Mais là, du coup, on a triché un petit peu. On a pris de l'avance, du moins. Voici le résultat final. Où on a mis donc le sapin de partout okay. et on a ajouté la petite guirlande lumineuse pour ajouter voilà ce petit côté peps. Mais après vous pouvez venir décorer que ce soit des boules de Noël, une plus grosse guirlande, des photos, des petits cadeaux justement en lien ouais. avec le calendrier de l'Avent. On peut très bien se dire on le fait fin novembre comme ça on peut accrocher les petits sachets aussi de calendrier de l'Avent. Mm-hmm. Voilà c'est et donc comme on le disait tout à l'heure on peut aussi bien le mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Exactement, aussi, comme admettons, voilà, si vous voulez vous faire une ambiance à l'extérieur, vous pouvez vous faire une structure comme ceci, avec du cyclamen, vous faire voilà un petit agencement sympathique dès l'extérieur, et que même pour vous, quand vous rentrez chez vous après une belle journée de boulot, et ben, c'est toujours agréable de rentrer chez soi quand c'est bien décoré. Merci beaucoup. Je rappelle évidemment que tous les produits qu'on vous a présentés aujourd'hui, en tout cas, sont disponibles sur notre site internet et particulièrement sur la boutique de Noël dont je vous parlais. Je vous invite vraiment à la parcourir parce qu'il y a plein d'idées cadeaux. C'est vrai que l'on a parlé de ce qui était prêt pour décorer instantanément les espaces. C'était un petit peu aussi le but de ce live. Mais on a aussi plein d'autres cadeaux qui sont idéaux à glisser sur le sapin. On a des petits kits de graines, comme vous pouvez voir ici. C'est hyper sympa à offrir aussi. Donc là, on a le Peace Mémé. On a le kit pour faire sa ratatouille. On a plein de belles chose, donc vraiment n'hésitez pas, ça peut être une très belle idée cadeau. On a aussi des fruitiers nains, voilà, donc hyper sympa aussi à glisser sous le sapin, à offrir, etc. On a des potagers d'intérieur, on a vraiment plein de choses, donc vraiment je vous invite à la parcourir et à aller voir tout ça. Vous avez peut-être des questions, alors c'est vrai qu'on a préparé tout sapin, si vous avez des questions sur les plantes d'hiver, le jardinage de manière générale, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Mmh. On y répondra. Si d'ailleurs vous regardez après ce live
en replay, on sera aussi prêt à répondre. Donc n'hésitez pas aussi à encore écrire des commentaires. On regarde toujours, on tente au maximum de vous répondre. Voilà, je rappelle aussi que ce live, justement, si on veut remontrer un peu ce que tu as pu faire, sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez tout retrouver. Voilà, est-ce qu'on a des questions pour le moment? Pas de questions. Bah écoutez, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à les poser au fil de l'eau et puis on y répondra dans tous les cas dans la foulée. Merci beaucoup Julie pour tes précieux conseils. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.